Salut, je m'appelle Jordan Dupuis, je suis concepteur, idéateur, rédacteur, animateur, chroniqueur et producteur de contenu. Bref, la belle grande vie de pigiste en 2021. Pourquoi tu es ici aujourd'hui? Je suis ici aujourd'hui parce que... Très bonne question. Je suis ici aujourd'hui pour donner des notes de noblesse au contenu et à la rédaction dans ce qu'est cette merveilleuse entreprise qui est Reps Label. Je suis ici pour vous faire part de mon expérience de collaboration avec ces deux gars-là qui sont merveilleux. Qu'est-ce que tu as fait avec nous? Avec Reps Label, j'ai travaillé leur bible d'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est une bible d'entreprise? C'est l'ADN de la business. Qui vous êtes? Où vous vous en allez? C'est quoi vos objectifs? Vos collaborateurs? Ça vous permet de dresser un portrait vraiment de qui vous êtes et ça vous aide surtout à vous aligner sur vos futurs projets. Puis ça donne une direction à l'entreprise. Bref, c'est un document important qu'il faut faire, ne serait-ce que pour soi, ou pour les clients avec qui on va travailler dans le futur. Comment est-ce que... comment ça a été, en fait, dans le monde? It was a fucking pain in the ass. Travailler avec Vincent et Alexis, ça s'est super bien fait. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié leur ouverture d'esprit. Puis, comme ben des créatifs, j'en suis un, mais ma force, c'est les mots et eux, c'est les images. Fait qu'il y a ben des choses qui se passent dans leur tête. Il y a ben des images. C'est comme un beau gros nuage. Puis moi, je suis en train de recueillir la pluie en dessous avec un Tupperware. C'est un peu ça, en fait. Donc, c'était le défi, c'était de mettre en mots leur expérience, qui sont leur ADN. Parce que oui, Reps Label, c'est une compagnie, mais c'est aussi deux individus derrière avec des backgrounds qui sont différents puis des visions différentes de la vie. Donc, de mettre en mots leur parcours, ça a été un bel exercice pour eux, je pense, mais aussi pour moi. J'ai appris à connaître ces gars-là avec qui je vais travailler éventuellement. Comment est-ce que tu approches ça? Là, on parle de Reps Label, mais en général, le business... À chaque fois que je travaille avec une compagnie ou une business, ou peu importe, que ce soit au contenu ou à la rédaction, quand on me demande de développer avec eux, je le vois vraiment comme un show télé. Moi, je suis un gars qui travaille en télé depuis plus de 10 ans, donc j'ai étudié d'ailleurs en télévision, en production, en animation, en recherche, donc je suis un gars de contenu de télé. Donc, je le vois vraiment comme un one-pager de show de télé, comme une proposition médiatique. Donc, qui vous êtes, à qui vous voulez parler, comment on va s'y rendre. Donc, je pense que l'enjeu vraiment, c'est de faire un excellent storytelling autour de l'objectif client, mais aussi de qui vous êtes. Parce que si vous savez qui vous êtes et vous êtes capable de vous vendre de la bonne façon, puis vous êtes capable de mettre des mots sur vous et sur vos émotions, chose qu'on essaie de faire en tant qu'humain, bien, ça aide vraiment à la communication avec le client et l'entreprise. Donc, je le vois vraiment comme un projet télé, en fait, parce qu'il reste qu'au final, on fait de la production du marketing digital, on fait de la production vidéo, donc on crée une histoire, puis cette histoire-là, après ça, ben, c'est de savoir où est-ce qu'elle s'en va, puis comment on la fait vivre. Quoi, dans tes étapes, les principales étapes pour créer une bible d'entreprise, c'est de savoir d'où est-ce qu'on vient. Toujours bien important. Donc, j'ai posé, en fait, comment j'ai fonctionné avec Vincent et Alexis pour la Bible. Je leur ai posé des questions séparément. D'où est-ce qu'ils viennent? Où est-ce qu'ils veulent aller? Leur vision du marketing digital, ce qu'ils aiment de leur travail, ce qu'ils n'aiment pas de leur travail, les projets dont ils sont fiers, pourquoi ils ont envie de travailler avec un et l'autre. Donc, ce sont des questions qu'on prend souvent pour acquises là, dans le quotidien. On ne se pose pas les questions, on n'a pas de recul face à ça, on est là-dedans. Donc, je leur ai demandé de travailler ça séparément et ça a donné lieu à des réponses vraiment différentes puis des moments super touchants aussi. Et ensuite, j'ai mis ça ensemble pour créer à la fois des moments dans cette bible d'entreprise-là qui appartiennent aux deux, donc créer une synthèse de leur vision de Reps Label, mais aussi des moments séparés parce que les gars ont leur propre réseau de contact, ont leur propre saveur. Donc, des fois, il y en a qui vont avoir envie d'abord et avant tout de travailler avec Alexis, des fois avec Vincent. Donc, d'à la fois faire vivre Reps Label ensemble en tant que vision commune, mais aussi séparément. Donc, c'est de poser des questions précises sur ce qu'ils veulent, leur objectif, leur vision du milieu. Puis quand tu sais où est-ce que tu t'en vas puis ce que tu souhaites de ton milieu, ça fait en sorte que tu es capable vraiment d'aligner tes cartes pour le futur. Ouais. Je dois dire qu'il y a des moments extrêmement touchants dans cette bible-là où j'ai l'impression de faire
une Bible d'un couple. C'est vraiment drôle. Par exemple, des moments doux en voyage où Alexis sort des collants Reps Label, puis là, ça se regarde dans le blanc des yeux, puis pourquoi t'as sorti ces collants-là? Donc, ça a donné lieu à des moments de super bonne complicité. La grosse bromance entre les deux, je trouvais ça très, très beau. J'étais presque ému. En fait, j'avais l'impression des fois de décrire un beau couple qui s'aime depuis super longtemps. C'est délicieux. C'est un couple fort! Ils s'aiment, ça c'est sûr. Moi, je crois que ça fait le tour. Hein? Bon, ben parfait. Génial. Attends. Ah oui, sur les formats. Beaucoup d'entreprises omettent de travailler avec des gens au contenu pensant qu'ils sont capables de maîtriser leur message. Mais faut comprendre qu'en 2021, il y a plusieurs plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. Donc, le discours, la façon de parler aux gens doit changer en fonction du réseau social ou du média dans lequel on diffuse. Oui, ça prend une ligne directrice commune, mais on ne s'adresse pas aux mêmes gens sur Facebook que sur Instagram. Donc, comment on dit les choses, comment on développe son ton, sa propre langue, est-ce qu'on veut un sens de l'humour à travers ça, est-ce qu'on parle au jus, au tu, au nous, au vous? Donc, c'est des questions importantes qu'il faut se poser en tant qu'entreprise parce que c'est aussi notre langue, donc c'est la façon dont on va s'exprimer à travers nos diverses plateformes. Il faut qu'il y ait une corrélation entre tout ça, puis quelque chose de fort qui représente bien l'entreprise. Moi, j'ai une entreprise, puis j'ai besoin d'une bible. Comment est-ce qu'on commence? Eh bien, tu m'écris sur Instagram, sur Facebook, ou tu contactes les gars de Reps Label, puis on va travailler ensemble de même. On va être un beau couple, nous aussi. Bon, à tout, mon gars. Bon, parfait. Ouais.